Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Crusader King 3 en multi avec Féa, l'empereur de France, et Técamon, le grand empereur de Grande-Bretagne. Comment allez-vous? Salut, bien. Mais bien, bien, bonjour Féa, bonjour Slan. Bientôt octogénaire, moi aussi, j'y crois. Ah oui, hein. Dis donc, 38 000 et 27 000 hommes, vous êtes vraiment des bourgeois. Hein. Allez, je relâche la pause. Ah, t'as 10 000 hommes de plus que moi, Féa. Et encore, il a pas fait exprès. C'est parce que c'est ma couronne qui avait vachement baissé à cause de la... de la séparation de la... Ouais. De l'Espagne. Et du coup, là, je suis en train de remonter l'autorité de couronne. Je suis devenu ivrogne. Alors, comme le jeu, j'ai réinstallé tout. Je peux pas voir les armées, si elles sont hostiles ou pas, ou quand je vois un trait, ça s'efface, les fenêtres. C'est un truc dans les paramètres, ça. De quoi donc? Tu sais, quand tu veux, par exemple, des armées qui sont ensemble, si tu veux, là ça marche, mais je trouve que les fenêtres disparaissent trop vite, il faudra que j'envoie ça. Les fenêtres d'information. Bon, Féa, cette croisade, on remonte du coup vers l'Uni ou Je sais pas trop quoi faire pour gagner. Il y a juste 100 000 hommes qui nous attendent là. Bah alors, perdez. Oui, c'est... 100 000 hommes, ça me paraît un peu beaucoup, quoi. Si vous savez pas quoi faire pour gagner, perdez. Ouais, moi aussi j'ai perdu une croisade. Tu sais ce que je vais faire? On peut attaquer le Saint-Empire, tous les alliés du pape, hein, pour le calmer. Hein. Ça va pas aider pour le game, on peut le faire, mais ça va pas nous... Bah, si on peut, mais je crois que ça sert à rien en fait. Toutes ces capitales là qui sont enflammées. Bonne question, je sais pas si ça sert à quelque chose. Ça fera du pillage. Ouais. 50 000, j'essaye. Attends, je vais aller à Baronnie de Constance, là au nord. Allez-y. On essaie. Ah, l'attrition. Ah, ouais, non, c'est pas la peine. Ah, ouais, non, c'est une perte de temps. Ah, ça pique l'attrition. Si on capture, de toute façon, on a la tendance qui suit les petits comtés autour, là, entre l'Italie et la France. Si on arrive à les. Bah, écoute, oui. Est-ce qu'on peut attaquer cette grosse armée ou ils sont combien? Ils sont 49 000. Si 49 000, on peut se les faire. Eh ben j'arrive alors. J'arrive. Pourquoi j'ai plus d'alliés, moi? Allez, go. Je te rejoins. On va tous. Moi, je vais à Gênes. Ouais. Je suis au nord. Et à Baronnie de Gênes, à côté. Hop, on se décale. Et on va faire une grosse attaque, là. Ils sont 48 000. Ils se séparer en deux. Il est reparti au nord, là? Il est parti où? Ouais, il est parti un peu au nord, donc je me dis que c'est le moment de taper et essayer de vachement l'affaiblir. Je vais peut-être prendre le fort de Parme, est-ce que j'ai le temps de le tuer avant? Je pensais plutôt Pise et là où il y a les 50 000, essayer de les choper. T'as vu, il essaie de se rassembler aux 52 000, je crois qu'on va arriver trop tard. Trop tard. Moi c'est mal barré. Non, je vais à Pise, on va voir s'il me rejoint, si ça le démange pas, parce que là il y a à côté la baronnie de Florence quand même. Mm-mm. On va nettoyer un peu tout ça. Ouais. Mais ça fait du yo-yo, de toute façon, il faut savoir être flexible. C'est à nous, ça? Comment je vais faire pour gérer ça? C'est à nous, Pise. C'est à toi? C'est à... Je sais pas trop. Bon, j'essaie c'est de violé. Ouais, mais je reprends la baronnie. Ouais, il a stacké en haut, c'est une horreur. Hein. Ouais, bah là, quand il nous a vu arriver, il a fait « Fuite, fuyons !» Tous ces complots. Là, je gère pas la culture, je gère rien là. On fait que la guerre, les amis. Pas mourir que bêtement. Plus que 23 000 hommes. Oh là là, quelle attrition. Ah, t'as pas peur avec les alliés là? Ils vont un peu au nord là. 48 000 qui descendent vers moi. Ouais, je vois ça. Mais moi, je suis 36 000 à côté, je suis juste au-dessus en fait. Tu vois, j'ai pris. Est-ce que je vais prendre Florence? Tu peux tenter, mais j'arrive. Je vais essayer de reprendre des troupes, je suis descendu à 22 000 hommes. Ouais, j'ai vu ça, la vache. J'ai encore de la question. Ah oui, non, mais. Faut que t'ailles à Nice ou un truc comme ça pour te régénérer. Ouais, c'est ça, 24 000, ouais, je vois bien. Pourquoi
Ouais, j'ai... Bon, mes armées arrêtent pas de perdre leurs généraux. Non, je fais une petite pause. Je suis resté là, du côté de Jeanne, je vais voir si je remonte. 24 000, j'ai remonté. Ouais, faudrait prendre la baronnie de Florence pour voir s'approcher un peu ensemble. 23 000. Je vais essayer de prendre Florence, moi, personnellement. On va voir ce que ça donne. Oh, punaise, là. Mmh. En fait, on dirait un tourbillon de soldats qui tournent en cercle comme ça, ils sont fous. Bah oui, tu vois, on aura une vraie armée très puissante. Lya nous aura attaqué. Ouais. Et du coup, on serait, on aurait pu gérer plus facilement la bataille que là. On se regarde, on se fuit. On se jauge. Ouais, puis si je pars dans l'Italie du Sud, c'est pas bon pour toi. Ah là, je suis en train de prendre, en tout cas, la Florence. Bah, je me dis que tout ce qu'on attaque, c'est bon, mais le problème, c'est que si on se divise, t'as bien vu à chaque fois... Ouais, je suis au-dessus de toi, je suis pas très loin. Il est plus réactif que nous. Mm. Je prends la cité en dessous. Ah, il va à gauche. Ouais, il nous... Il va contourner le problème, là. Ouais. Du coup, regarde, on a réussi à prendre quand même pas mal de trucs sur... Il va couper ta limite d'approvisionnement, on fera repartir. Non, mais on va y retourner. Je vais quand même prendre le siège assez vite. J'ai un mois, ça monte vite. 20 000 hommes. Il vient pas, lui. Bah, il se fout de moi. Ça y est, il attaque. Il se fout de moi, je m'allie avec le Bagdadite. Ouais. C'est quoi ce truc? Je m'allie avec le Bagdadite qui a 10 000 hommes. Attends, j'ai 20 000, j'ai 17 jours. Je l'invite dans ma guerre. Il débarque avec un homme. Il est sympa à Bagdad. Il m'envoie une armée de soutien de un homme. Ah bah, cool. En fait, non, je vais contre-attaquer pour protéger les armes de siège qui sont à Molden. Hein. Et comme ça, je vais attaquer l'arrière-garde de son armée. Au lieu d'attaquer là où il veut nous emmener. Hein. C'est où Molden? C'est... C'est quoi la blague au-dessus, au milieu là, où t'as toute la grosse marave. Bah attends, c'est une province alliée, j'y vais, hein, parce qu'il faut que je régène. Ouais. Ah, le salopard de français. On a moins 85 quand même. Il a pris l'objectif de guerre, donc ça. C'est dur. Pourquoi tu m'envoyais pète, français? J'aurais ta peau. De quoi tu parles? Bah voyons. Tu ouvres même pas ton courrier. Bah non. Bah, attends, on est en guerre, nous. Bah, en guerre, vaut mieux ouvrir son courrier. Oh, je vais me faire choper par la mètre 100 000. Deux. Allez, casse-toi. Voilà, je t'ai rejoint. Oula. J'ai failli me faire choper, j'ai plus beaucoup d'hommes. Ouais, mais on a réussi à gagner cette belle bataille. Ça. Tu restes où tu es là pour l'instant, tu me dis, hein, parce qu'on est dans le feu là. Non, il faut que j'ai chopé des armées, mais on a été capté par 600 péons. Tu pars à gauche? Ok. Ouais, on va revenir sur Florence et tout ça, on va essayer de choper les 45 000 qui traînent. Ou alors non, on va libérer peut-être l'objectif de guerre. C'est lequel? En profiter. Alors là, il faut regarder sur la guerre. Ah bah oui. C'est Castantil, enfin c'est tout le côté droite. Et bah go quoi. Là où on est, tu sais, la cité de Florely, Raven. J'ai plus que 17 000 hommes, j'en ai perdu 10 000 depuis le début. Ah ouais. C'est une cata. Ah là, j'ai plus de. Non mais je libère une ville. Ouais. Ouais, je libère avec les alliés les terres qu'ils ont pris. Ah, ils ont piqué notre le ravitaillement à l'Unis, ils en ont bien profité. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, ils sont pas nombreux à gauche, hein. On pourra se les faire les 45 000. Ouais. Ah, ils sont 10 000 à peine. Mais c'est l'attrition quoi, là on perd. On remonte à Mantoue, on le chope. Gouest là là. Oula. Si je fais la bataille, on va mourir. J'arrive, hein. Je sais pas où tu es, mais j'arrive. Je vois qu'il y a du monde. À Bologne. Ouais, il y a du monde là-bas. À gauche, tu veux prendre ou. J'aimerais bien repasser à gauche pour essayer de revenir sur l'Uni pour récupérer notre ravitaillement. Ouais. Ah, puis il y a des troupes. Je libérais juste une cité, ça nous aide. Non, parce qu'il y a 15 000 hommes qui remontent du sud là. Ils reviennent. Ouais, je mets ça. Ah non, c'est pas vrai. Bah, go. À 53 000, t'as combien d'armées?
22. Alors on va se faire exploser. Et les autres sont pas là, nos alliés? Regarde, à 10 000, 5 000, Ouais, 17 000, si, mais 8 000. il remonte. Bon, on va à gauche, là, dans la ligne d'approvisionnement, c'est pas terrible. Là, je prends cher depuis. On est passé à plus 2? Il se passe quelque chose, Je non? vais à Parme, en tout cas. Bah, on a libéré les trucs. Parme, c'est où, Parme? Parme, ok, Parme. 36 000 à gauche. Ah, faut qu'on coupe en deux cette armée qui arrive. Ouais, 23 000. Tu veux aller Allez, où go. là? On descend à Il faut... 8 000 ou... Non, mais il faut que tu me rejoignes et après on va au milieu. On Mais va à je suis à Parme, Chuary ou. j'y suis, je suis avec Ouais, mais toi. on est passé, on est que 20, on est passé nombreux là. On est combien? Bah, on Allez, on est va à 40. l'Uni. On est 40. Allez, Ah, il go, sort mon l'Uni. bateau, regarde, il s'en va à gauche là. On va le choper les 42 000. On libère l'Uni déjà. On va libérer l'Uni, ouais, vite fait. Au moins mettre nos armes de siège et après on va à gauche, ouais. Ouais. Et la croisade de voilà alors? On n'a plus de Bah, c'est nouvelles. fini Bah depuis si, Belle ouais, c'est Lurette. fini il y a très 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 longtemps. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, c'est déjà libéré, l'Uni. Parfait. Du coup, on va à gauche, on chope les 41 000? Ouais, on va à gauche, on change les 14. Là. On y va. Voilà. 16 000 hommes, hein. Oh là là. Ouais. J'ai peut-être des troupes en réserve, moi, quelque part, tiens. J'en ai... Non, j'ai même pas. Jamais il vient avec ses 10 000 hommes, lui, alors? Il a fini son guerre ou pas? Non, toujours pas. Gêne, j'avance, tu es derrière moi, Fer. Non, ouais, je suis. Je vais à Savonne, là, tu vois. C'est toi Je vais qui te. est derrière moi, en fait. Non, Ouais, on va. j'ai un jour de décalage. Allez, on va essayer de le choper avant qu'il l'embarque. 39 000, Ouais. faut le tuer. Je suis remonté à 17 000 hommes, ça fait plaisir. Après, là, si on attaque. Ça y est, j'ai Comme. chopé. Ouais, j'ai vu. Hop. Je suis pas Allez, les encore totalement amis. là. Je suis pas Non, encore mais là. on est bien là, on est très très bien. Là, si moi je suis l'homme, c'est les alliés qui sont pas là. Ça tape, ça blesse. Allez, dans ta tronche. Mutilation, cours! Oh, on a le dessus, c'est beau. C'est bon. Par contre, ils sont en train de reprendre l'objectif de guerre. Mais au moins, on va lui piéter quelques troupes. Bon, on repart tout de suite à droite, hein. On libère tout, on prend Ouais. tout le nord. Ouais, j'ai encore des effectifs. Hein. Non, j'ai plus beaucoup d'effectifs là, je suis en train de prendre cher. Je suis tombé à 15 000 hommes. Je suis à 26 là. Ouais, on a perdu énormément. Attends, si on regarde la bataille en elle-même, ils ont 110 000 hommes, on n'a plus que 78 000. Ah. On a quand même fait un bel effort là. Encore une branche cadette, arrêtez les neveux là. Je suis pas encore mort moi. Ah, enfin. C'est bon, on les a eus. Je Je leur suis remonté à demanderai 19. bien Les des vues. stats, et on les a stat pour regarder, ils sont plus. Je vois pas les ennemis. Alors, tu Ah veux où? si. Ah si, ils ont des petits ennemis, la maison de quoi? Voilà, de 4 000 hommes qui restent, hein, c'est tout. Je renvoie une Bah, on va proposition. repartir sur l'objectif de guerre. Hein. On va repartir au Féa, sud. Oui? lis ton courrier. Quoi? Félensailles avec. C'est quoi ce truc? Mais je sais même pas qui c'est cette princesse de Bonne de France. Dans ce cas-là, Royaume d'Orlagne. t'as rien à perdre à accepter. Que Elle est j'ai de quoi probablement de ta gagner. famille. Apparemment, ouais, on est consanguin. Tu suis Féa? Non, je suis pas. Je me disais bien, ça va pas. Est-ce que je vais prendre Parme? Mais il y a toutes les troupes à côté, je vais me faire défoncer. Aïe aïe aïe. La baronnie de Parme, c'est à toi? C'est à qui? C'est italien. Non, donc on n'est pas en guerre. Factionnalisme vassal. On va accepter. T'as encore refusé, hein? Non, j'ai accepté. Non, t'as refusé. J'ai marqué accepter. Peut-être que Mais j'ai c'est été bien. Ouais, trop mais long tu par l'as fait contre. trop tard. Ouais, bah ça, c'est chose qui arrive. Bah. Faction dangereuse. Lis ton courrier. Cordoue. Attends, j'ai autre chose de plus intéressant à faire que le Bah, courrier, là. c'est-à-dire que non.
Ah si. Tu n'es pas ma priorité, payer exotique et lointain. Réaffecté. Non, bah non, pas lui. Là, on perd beaucoup trop de troupes, on peut pas y aller comme ça, on perd 5... On a 5% d'attrition, c'est catastrophique, faut qu'on retourne ailleurs. Non, ça m'énerve, cette histoire d'attrition. Ouais, ou alors on perd la croisade, on le laisse faire. Hein. Hop là. Faire la croisade, on laisse faire, mais bon, après, c'est toujours un peu... On était pas loin, là. Non. On était vraiment pas loin. Il a dû reprendre quelque chose pour libérer. Ouais, bah, il a repris les trois territoires, mais comme t'as que trois territoires pour l'objectif de guerre, bah, tout de suite, ça... Bah, je vais prendre Luc. Il a 40 000 hommes, là, vers... Non, mais fais gaffe à ton attrition, là. T'es à 5% par mois. Où est-ce que je suis parti, moi? Où est-ce qu'elle va, ma armée? Elle va Oui, je vois libérer bien. Un truc. Mais ça me fait peur, est-ce que les troupes au nord elles vont venir ou pas? On va surveiller ça. Il y a 40 000 hommes. Je reviens. Ah, je vais mourir dans l'année! Au seuil de la mort, frère. Ah non! Il est pas trop temps. Oh, mais écoute, j'ai un médecin ou pas? Ça va être le bazar chez moi après, les héritiers et tout, ça va être terrible. Je m'en pose, je vais choisir quelque chose d'important. Et Féa, t'es parti à Nice encore? Tu m'as abandonné? Je t'ai dit qu'on venait le faire du ravitaillement. Ok. Parce que là, on est à 5% d'attrition, c'est une catastrophe. On a plus de pertes avec l'attrition qu'avec les combats. Oui. Mais il faut vraiment que je trouve une solution pour optimiser, parce que je... C'est pas normal que ce soit les mécaniques du gameplay de devoir re-aller à libérer ses armées sur 50 000 trucs. Non, c'est parce qu'on a trop de levées, je pense. Il aurait fallu avoir plus d'armées de... C'est toujours votre guerre sainte, hein? Toujours, oui. Ouais. Mais pour... si vous défendez votre territoire, vous la gagnez, hein? Il suffit qu'ils vous empêchent qu'ils prennent le moindre territoire dans votre truc et c'est bon, hein. Ouais. Ah oui, enfin, ils sont quand même 50 000 et nous, on est moins nombreux. Enfin, 150 000. Ils sont combien maintenant? D'ailleurs. Là, on est 100 000 contre 114 000. C'est un peu dur. Allez. J'ai plus que 15 000 hommes, moi. Mais on lui a retiré quand même 50%. On a réussi à gagner. Il était 50% plus fort que nous. Et maintenant, il est aussi fort que nous. Ouais, bon, on va continuer. C'est la durée de la croisade qui est très longue. En fait, je gagne des hommes quand je suis en déplacement. Si je m'arrête, je perds des hommes. J'ai l'impression. Peut-être que c'est lié au ravitaillement. Je sais pas. De toute façon, là, l'objectif, c'est vraiment de récupérer son ravitaillement et après, on se restack et on refait un coup violent comme on avait fait tout à l'heure. Ça avait bien marché. Faut juste que l'objectif de guerre tienne un peu. Eh ben, on va tenir comme on peut. 18 000 hommes, ça remonte, ça revient, je bouge. On joue un peu au chat et à la souris. Hein. Ouais, c'est le truc pas forcément le plus... C'est agréable. Ah tiens, j'ai gagné. J'ai fait les bombardes. Cool. Faut que je divise mes troupes en deux, c'est pas possible. Faut le faire en 50 000, ouais. Faut couper une petite armée de. Ah, parce que sinon, je perds tellement en troupes. Mais tu regroupes pour les batailles après. Bah oui, forcément. 11 000. Ah, je suis remonté à 18 000 hommes. Je suis monté à 32 000 hommes là. Quand tu regardes la limite d'approvisionnement, c'est le premier ou le deuxième chiffre qui compte là? Bah, le premier. Enfin, c'est en rouge de toute façon quand c'est en... Ouais, c'est en rouge quand c'est pas bon. C'est pas bon, hein. Rien n'est bon. Après, t'as les alliés qui arrivent, donc des fois, ça, tu pensais être bon, et en fait, tu l'es pas. Ouais, j'ai une guerre qui est dure, beaucoup plus dure que la croisade. Monté à 20 000 hommes. Un mec qui m'a attaqué, l'Anatolicon, là, il m'a attaqué pendant que j'étais en situation de faiblesse. On a bientôt perdu, hein, de toute façon. Ouais.
Mais pourquoi vous continuez cette guerre depuis longtemps si vous savez que vous allez la perdre? Parce qu'on est des apprentis crusaders, voilà. Parce que on pourra la gagner quand même aussi. Ah bah alors gagnez-la. Alors, j'améliore un peu mes troupes. C'est mieux si vous gagnez. J'aimerais bien. Faudra qu'on prenne des mercenaires, c'était un peu de troupes peut-être. C'est d'argent. En tout cas, moi, ravitaillement, c'est bon, je peux y aller. Je retourne à Monaco. Et hop, j'y retourne avant qu'on perde. Je pense que c'est trop tard. Ah, trop tard. Défaite. Du coup, on a perdu ce qu'on a galéré à avoir toute la dernière fois. Et bah, t'as plus qu'à relancer tout de suite la guerre contre le royaume d'Italie, c'est fini. Non, le royaume d'Italie, c'est ma pupille, c'est mon. C'est, bah, c'est ma dynastie. D'accord, la reine Cécile, d'accord. Par contre, on attend que je meure, je pense. Ça approche. C'est pas parce qu'il te dit que tu vas mourir dans un an que tu meurs dans un an. C'est vrai. Oui. Ah mince. Alors, le roi de Croatie, tiens, justement. L'avantage, c'est qu'on a réussi à récupérer pratiquement toute l'Espagne pendant ce temps. J'avais donné les droits de faire la guerre à mes vassaux pour l'Espagne. Et ils ont fait le travail. Ça, c'est des plaines. L'impératrice est enceinte, c'est quoi ça? Pas parce que t'es mourant que t'es pas vaillant. Ah, hein, puis on va voir un peu. Bon, par contre, l'avantage c'est que le Kaiser a plus une seule troupe. Ça sent le sapin pour le Kaiser. S'emparer de toutes les terres de Jure. 12 000 en coup, mais c'est n'importe quoi. Allez, on va s'occuper des gens. Si je le tue. On va exécuter ceux qui ne croient pas en nous. Sans si je garde prisonnier, c'est bon pour mon fils, mon héritier plutôt. Je vais m'occuper des gens qui rapportent un peu d'argent. J'ai qui là? C'est l'épouse de Walia, Tanebat. Ah c'est marrant, ça se mélange. Pour 50 pièces d'or, allez. Une comtesse à 25 noms. Ah, oh, il y a du monde en taule hein, quand même. Six mois, Maxi. On va essayer de les convertir tous. Ouais, on va juste déclarer la guerre. Ouais. Je suis obèse, mais c'est un détail. Je ferais mieux de garder les jeunes filles. Enfin, c'est une comtesse, je la libère celle-là. Lui, il m'aime pas. Catholique, croate. C'est un croate? Ah, je suis désolé. Allez. Les pauvres croates. Ouais, au bûcher. Qu'est-ce qu'il y a contre les croates? Non, il était à mon sang, il m'aime pas, c'est un problème, donc... Les croates sont des problèmes? Bon, on leur dira. In-game, bien sûr! On est d'accord! Voilà, j'ai plus que 4 prisonniers. Drôle de croisade, quand même, on a du mal. Hein. Pourtant, j'ai beau faire des casernes, tu vois... Je monte pas beaucoup, j'ai du mal par rapport à toi. Après j'ai un bon ça devient un territoire riche quand même. Je sais pas si c'est pareil pour Attends, je gagne pas du stress non. Maréchal. Augmenter le contrôle.
Allez, ouais. Plus de prisonniers, on purge tout. Très bien. Comme on est en foi. Ouais. Ça tient quand même à la route, à la religion, ça va. Culture, anglais. Au niveau culture, ouais. On va calmer un peu les Gallois. J'ai un allié qui sert à rien. 10 000 hommes, il est venu, mais au final il fait rien. Même pas fichu de faire un siège juste à côté, quoi. M'étonne pas, tiens. Il fait rien, il va dans une direction, il revient, il va dans une autre, il revient. Dès que je bouge mes troupes, il change d'avis. Ok. J'ai encore un fils. Ton 77e? Ah, je ne sais pas. Je ne compte plus. On va l'appeler Oconan, celui-là, tiens. On verra ce qu'il deviendra. par contre, si j'ai un fils, pourquoi je ne le vois pas? Plus 4. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 enfants au total. Ah, vache, ça en fait quand même. Il est herculéen et intelligent. Papa en avait plus. Malédiction levée, ce n'est pas trop tôt. Bien. Ok. Bon, petite reprise douce. Ah, il me manque des sceaux. J'ai sa capitale, mais j'ai perdu tellement de batailles qu'on est à zéro de score de guerre. Ça sent que ça va durer, cette histoire. Et pendant ce temps-là, je fais pas de conquête et je fais pas de guerre. Mais en même temps... Alors, diplomatie ou érudition, c'est quoi qui est plus intéressant pour l'héritier? Ah bah, érudition, c'est plus intéressant que la diplomatie. Bah, rien que pour la durée de vie. La chasteté, des choses comme ça, quoi. Ouais, milieu scientifique... Fascination culturelle, ok. Ambitieux ou... On va garder ambitieux celui-là. Ambitieux. Prends pas paranoïaque, un gain de stress plus 100%, c'est la mort. Ouais, les gentils et les paranoïaques, au revoir. Alors, il me reste quelques minutes pour réfléchir. Mathilda de Rennes peut se marier. Elle n'a même plus. Oh. Et le pape, il m'aime, lui. Ouais, ça va mieux. Si je lui demande de prononcer les vœux, elle est pas tellement chaude pour ça. Bah oui, bah, ça peut se comprendre. Alors, la lignée commence à être bien. Filiforme. Voilà. Elle est devenue ivrogne. Oh, on va peut-être la laisser crever, je sais pas. Est-ce que tu veux être nonne? Prononce tes vœux. Allez, une chance sur quatre. Franchement, après, elle te déteste. Oui, je sais. Mais comme elle est pas mariée. Bon, elle m'aime plus, hein. C'est clair. déclare des guerres 18, des titres peuvent être créés. Guimard de Rennes. Bon. Ça va probablement se terminer parce qu'il pouvait pas maintenir 15 000 hommes aussi longtemps. Ouais, voilà, il est plus qu'à 4 000. Il a plus de troupes, c'est fini. Ça sert à rien que je fasse des mariages pour ma cour parce que quand on change de héritier, de toute façon, la cour change aussi. Et oui. Là, ça m'a toujours perturbé ce truc-là. Ah, c'est normal, c'est ton cercle d'amis que tu mets au pouvoir. Hein, qu'est-ce que tu fais des premiers ministres de papa? Bah, le premier truc que tu fais, c'est que tu les butes. Regarde ce qu'a fait Louis XII. Bah, Louis XII a fait pareil. Hein. Il prend le pouvoir, il est tout jeune. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il exécute les deux premiers ministres, les deux ministres de papa. Hein. Le Saint-Empire romain. Peut-être qu'il y avait une raison. Bah oui, il y avait une raison.
C'est plus que... C'est trahison contre l'État. Ah, ils avaient qu'à pas trahir. Ils ont trahi beaucoup dans l'esprit de... Est-ce que je m'installe en Afrique du Nord? Parce que c'est intéressant de s'embourber là-dedans. Moi, je serais toi, je le ferais pas. À cause des Wallahs? Non, les Wallahs, ils ont plus de chameaux efficaces. C'est pas vrai, je vais la reperdre. Tiens, on va s'amuser un peu. Hop! Un petit duché en Suède. Ouais, mais j'attaque cet empire, il est faible. Si tu veux choper, il y a un truc, tu vois, il y a deux trois trucs du Saint-Empire qui est au Danemark et autres. Si ouais, tu veux aller par là. J'essaie de prendre la Suède un peu déjà avant de mourir. Un petit bout là. Mais tu devais pas mourir depuis plusieurs années, toi déjà? Si, mais ça... Mais alors, tu te décides? Ah, il est magnifique, il reprend du poids, il boit 84 ans. Je l'aime, cet empereur. Oh, c'est mon deuxième meilleur suzerain, n'empêche. Ah, il est beau, là. Oui. Ah, moi, je l'adore. C'est ce côté-là qui est marrant dans ce jeu-là. C'est celui qui était obèse il y a 40 ans, oui. C'est ça? Ouais, qui comptait faire des régimes et qui boit, qui est devenu ivrogne, là, GCD, parce que, bon, il était un peu dépressif. Bah, écoute, en avant Guingamp, hein. Allez, mon fils, va à la guerre. Voilà. C'est le 14e fils, c'est pas grave si tu meurs. 14e, toi? Non, je sais pas, j'ai dit ça au pif. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Non, c'est déjà, et je n'arrête pas de conclure, les gars, c'est la fin de notre aventure pour l'instant. Petite pause. Déjà. Mais si, attends, je fais, paf. Et on vous dit au prochain épisode. Est-ce que j'aurai la suite avant de mourir? Tchuss. Ciao.